Yep. Salut Iron Maier, comment tu vas? Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, mes chers amis viewers. Petite soirée pépère sur Assassin's Creed. Et on va tuer des gens. Allez, go! On est niveau 30, ce qui veut dire qu'on peut passer à notre quête principale. Ça, c'est bon, ça. Très bien, comme d'habitude, ça, c'est bien. C'est bien quelqu'un qui va toujours bien, qui a toujours la forme. Prenons exemple sur cet homme, les amis. Ça fait de beau aujourd'hui. Moonwalk, j'arrive pas à faire moon. Si, regarde, on peut faire des petits moonwalk à de temps en temps. Mais si je charge à fond, je remets plein la tronche avec mes moonwalks. T'es dans la piscine. Piscine chez toi. Ouais, il a fait beau aujourd'hui. Je te regarde sur deux écrans différents. Différents. Quel intérêt? Pourquoi? Tu me regardes sur un cathodique. Et un plat, c'est ça? J'ai vendu des jeux, donc gagné de la moula. Ah ouais, il s'est acheté deux écrans, une piscine et tout. Ma quête principale est niveau 31. Et nous ne sommes pas 31, donc on va aller faire ça avant. Après avoir tué le crocodile, Bayek retourne voir ses amis endeuillés. T'es prêt, t'es Knut? Il les retrouve amers et brisés. Ils ont besoin de son aide. Allons les voir, mes pauvres copains. Ils sont où? Tout là-bas! Oh, il y a une photo ici. What? Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Genre, il a un chocobon sur son truc. C'est pas ça, c'est pas un chocobon? Comment ça s'appelle ces trucs-là dans Final Fantasy? Je suis nul. Ouais, sur ma télé, sur mon tel. Allez, hé. Hey, de ton œil gauche, regarde la télé, ton œil droit, ton tel, et je serai en 3D. Je vais essayer de me mettre au sport. Bah écoute, bonne initiative. C'est bien. Moi j'ai arrêté de faire du sport. Moi j'ai décidé d'être gros. C'est trop chiant de pas être gros. Donc je me suis dit, mais tant que ma santé va bien, pourquoi ne pas être gros? Laissez passer. Easter egg Final Fantasy. Ah ouais, c'est ça. Je ne savais pas qu'il y avait des petits clins d'œil comme ça. Parce que Final Fantasy ça a rien à voir avec Ubisoft. Je sais plus. Et Philadelphie, oh. C'est l'icône vert. L'icône vert. Ah ça. Un cadeau des dieux. Sorti la même année, je pense. Mais... Mitraillette. SBShing. Ah, y'a un truc. Ah oui, ils vont pas... Ok, les deux trucs sont là. Pardon, je m'en vais. Ah, ils sont vraiment pas sympas ici. Bon, le jeu, tu te... Calme. Fini de ramer là, c'est bon, je vais tranquille. Un arc de chasseur. C'est toujours marrant les petits clins d'œil comme ça. Ok, le deuxième il est où? Il est là? Non, il est pas là. Déjà lui, on va l'exécuter. Ah merde, j'étais complètement vu. Qu'est-ce qu'il fout là aussi? Ouah, une flèche qui m'a croisé le cul. YOLO. Ouah.
J'ai pas vu le dégât. Ah oui, on avait ce sceptre là. Magnifique. Ah, par contre, il est bizarre son. Ah, il fait saigner et tout. Oh, oh, mais. Ce gap en dégâts que j'ai eu là. Yo là, mais je suis caché à 8h du mat. Mais t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as pu faire jusqu'à 8h du mat? Saignement tellement la vie. Mais carrément, surtout avec leur bouclier là. S'ils cassent les couilles, tu les laisses saigner, tu t'en vas. Terminer ton anime. C'était quoi? Tu me l'avais dit, c'était quoi? Je sais plus. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça? Ça me manque ces nuits blanches sur un anime. Et me dire. Peut-être me coucher, il fait jour. Ah, Kuroko Basket, tu regardes. Je connais de nom et sur Game One, je crois, ça passe un petit peu. Je regardais par curiosité, mais j'ai jamais suivi assidûment. Ah, pardon. C'est sympa, mais c'est pas trop mon truc, mon style d'anime. Les animes de sport, c'est pas trop mon délire. Bon, il y avait Olivier Tom à l'époque, mais ça m'a jamais. J'aimais quand il y a du fight, moi, j'adore. J'adore quand tu. Les types, ils sont super badass, qu'ils se foutent sur la gueule. Juste le film, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami. Ouais, comme Baki. Tu es venu, j'en suis heureux. Qui est-ce? Tu vois, je regarde Baki, Bleach, Naruto. Ma femme est... Où elle en vient? GTO. Enfermée, froide. Elle sait. J'ai fini hier. Quoi? Elle allait partir. Après, j'aime bien quand tu as une. De toute façon, je m'ennuyais. Pas les trucs. Merci de sport, c'est pas trop mon truc. J'ai pas de critique hein, spécialement. C'est pas mal, hein, mais. Je préfère d'autres choses. C'est plus des préférences. Oh, Shonen. Alors, je suis pas très fort. Shonen, ça veut dire quoi déjà? C'est que c'est une adaptation de manga et pas un anime pur, c'est ça? J'ai regardé quoi? J'ai regardé pas mal de. Comment il s'appelle le truc Death Note? J'ai regardé Death Note. J'ai regardé. Je regarde l'attaque des titans. Ouais, j'aime bien que ça saute sur la gueule en fait. Qu'est-ce que je suis occupé de faire là? Suivre. Vas-y, je te suis. On y va. Ether Herpes. Oh, trace. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout gâcher. Je sais, je sais. Je suis bon à rien en ce moment. Oh. Tu n'es pas bon à rien. C'est pas moi qui l'a dit. Révolte-toi. Prends ton épée et va combattre. C'est pas moi qui l'a dit. Est utilisé pour désigner une ligne éditoriale de type de manga. La ligne éditoriale du shonen. Ça fait longtemps que j'ai rangé mon épée. Attends, je lis ton truc si avant, après. C'est seulement parce qu'Apollo de Russe a insisté. Oh. Il croyait qu'un grave complot nous menaçait tous. Et maintenant, Shalia est morte. Il se passe vraiment quelque chose. Tu as eu raison d'agir. J'ai été idiot. Je ne voulais pas Mekenout. Insister, elle a dit que c'était notre devoir. Si je ne l'avais pas écouté, Shalia serait toujours en vie. Elle est sûrement là-bas. On a construit un hôtel au bord de l'eau. Shalia adore. Ah, un hôtel dans le sens où on y prie. Enfin, elle... Emelo. La cible éditoriale du shonen est à l'origine constituée principalement de jeunes adolescents de sexe masculin entre 8 et 18 ans. Ouais, c'est vrai. Je suis content de te voir. Après, c'est pas parce que c'est des ados que je regarde, quoi. C'est juste moi, généralement je regarde le début. Les histoires sont assez vite mises en place. Et comme je suis yankli très simple, moi, très facile. Très facile de m'attirer dans les mailles d'une histoire. Quelque chose pourrait vous aider. D'écouter ma soeur a pété mon casque. Je dois économiser pour Valhalla. À la connasse. Bah, c'est elle qui le paye. Elle le casse, elle le paye. Faites-moi confiance.
Je devrais les laisser faire leur. C'est le gros mot. J'en appelle au grand livre des grands mots. Alors, et tu m'as donné la lettre F. Là, nous y sommes. Alors, eh ben nous avons le mot, un adjectif masculin. Nous avons l'adjectif fainéant. Alors, vient des mots fait et néant, c'est-à-dire qui ne fait rien. C'est pas con, c'est vachement pas con. Fait, néant. Faire du néant, donc ne rien faire. Certains auteurs soulignent qu'il faut distinguer fainéant de fainéant. Ah, attends. Parce que là, c'est fainéant, F-A-I-N-E-I-N-T, de fainéant, F-E-I-G-N-A-N-T. Le second étant le participe passé du verbe feindre. Ah, qui veut dire faire semblant. Attention, ne pas confondre fainéant, voilà, comme tu dis, fainéant et le verbe feindre. Le fainéant, de feindre, est ainsi celui qui fait semblant de travailler. Ah, attends, t'as deux façons de marquer fainéant. Vous vous rendez compte? Donc t'as le fainéant, celui qui feint, c'est-à-dire qui fait semblant de faire quelque chose. Et t'as le fainéant, celui qui fait rien. Eh, mais c'est super intéressant, ça. Je savais pas. Synonyme branleur. Cossard, feignasse, flemmard, paresseux, glandeur, ramier. Ok, il y a une deuxième définition. Être fainéant comme une couleuvre, c'est être très 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 paresseux. Comme la couleuvre qui se prélasse au soleil par une chaude après-midi d'été. Les rois fainéants étaient les derniers rois mérovingiens qui ont abandonné l'exercice du pouvoir de leur charge au maire du palais et se promenaient nonchalamment, couchés dans des chariots tirés par des bœufs. D'accord. Je suis pro-branleur. Non mais c'est vrai que fainéant, quand je l'ai vu écrit, je dis tiens, c'est pas... J'ai déjà vu écrit autrement. Donc voilà, il y a deux façons de dire fainéant qui veulent à peu près dire la même chose, mais c'est contextualisé. Allez, on continue. J'ai besoin d'une plume pour le rite. Une plume? Il y a un marais près d'ici. Allez, dans le trou du cul d'un phénix, c'est ça la plume? Des hérons. Mais j'en ai plein des plumes de hérons. Ah, Pecker. Lâche ta canne à pêche. Alors, moi je trouve qu'il y a une différence entre branleur et fainéant. Fainéant, c'est quelqu'un qui veut pas en foutre une. Un branleur, c'est quelqu'un qui fait rien s'il peut. Là, c'est pas pareil. Bon, je viens de faire envoler plein de hérons là. J'ai été con. Bah, à part jouer, manger, regarder des séries animes, dormir un peu, je fais rien d'autre. Bah, écoute. Tu fais quelque chose. C'est toujours mieux que glander les rues et. Oh non! Boule! Bam! J'ai ce qu'il me faut. C'est bon? Trop fort. J'ai vu encore un héron là. Ah, dans la patte! Et il meurt dans la patte, hein. Je fais de la vaisselle. Bah non mais c'est bien, c'est... Moi je trouve que à 15 ans je faisais ça aussi, c'est ce qu'il y a de mieux. T'es occupé de... Tu fais tes cours. C'est ton taf entre guillemets. Et sinon après c'est que du plaisir. Et s'il n'y a pas cours, bah c'est que du plaisir. Tu feras ce qu'on te dit, espèce de petite larve. Prendre du temps à soi ou se faire plaisir, c'est pas ne rien branler. Si te plaisir c'est rien branler, c'est pas rien branler. Tu vois ce que je veux dire? Non, on ne peut pas. Je sais que tu n'extorques pas de grains à ce paysan.
Parce que tu es conscient que tu enfreindrais plusieurs lois égyptiennes. En tant qu'autorité du Fayoum, tu le sais comme moi. N'est-ce pas ? Nous nous reverrons. Sois-en sûr. Tu viens d'entendre quelqu'un dire derrière « Scheiße ». C'est allemand le jeu. Il nous faut oublier notre deuil. On ne peut pas laisser souffrir les autres. C'est elle qui dit ça. Pas si on peut agir. Tu t'es battu autrefois. Il est temps pour toi de reprendre les armes. Tu as été témoin de la corruption. Il n'y a personne pour protéger le peuple. Rien n'est terminé. Tu t'es décidé au fait, Iron, dans ce que tu voudrais faire ? Plus tard ? Après, fais ton cursus, fais tes formations comme il faut. Tant que... Tu dis, j'étudie rarement, mais c'est bien si t'as une facilité, si tu sais retenir les choses, tant mieux. Tant mieux, écoute. Je pense que quand t'es ado, c'est important de profiter un minimum. Il faut continuer les études, mais il faut profiter un minimum parce qu'après t'es vite... Merde. Pas le droit d'être ici. Parce qu'après t'es vite dans le monde du travail. Et bah une fois que t'es dans le monde du travail, voilà, tu bosses beaucoup et t'en profites moins. Beaucoup plus de crever, etc. Banquier, pas mal d'argent quand même. Prof de maths. Facile à trouver du travail. Prof de maths facile. Ah oui c'est vrai, tu m'avais dit. Ah ouais, tu m'avais dit mais tu t'étais pas décidé. J'avais déjà dit, un banquier c'est pas mal, mais après il faut aimer le côté commercial et le contact client. Et prof de maths, bah prof, voilà quoi. Faut supporter les gamins toute la journée. Ils sont plus matures. que tu dis. Le mieux c'est l'univ, parce que c'est des gens quand ils sont à l'univ, c'est qu'ils veulent être là, tu vois. Donc c'est un peu mieux dans le sens où ils ont un intérêt à t'écouter. Du glisser et tout. Après, je sais plus comment ils fonctionnent les écoles chez toi. Oh, dans le front celui-là. Ils sont pas là pour branler. J'espère pour toi, mon ami. Après, en Belgique, je sais pas du tout les différences qu'il y a entre la Belgique et chez nous. Mais on me dit beaucoup. Enfin, moi, je fais beaucoup de formations en interne. Que je ne connais pas. Et on me dit que je suis assez pédagogue et que faire de la formation ou être prof, ce serait pas mal. Faire de la formation, ça m'intéresserait. Parce que c'est des gens qui claquent 3000 balles par jour pour être formés, quoi. Donc, ils écoutent. Mais être prof dans des établissements où les gamins ils en ont rien à foutre, ça m'intéresse pas. Pas du tout. Mais après c'est chacun son truc, hein, mon cher Iron. Si je peux te souhaiter que de réussir, si c'est ce que tu souhaites faire. Il y en a qui aiment, il y en a qui disent justement... Même s'ils s'en foutent, moi en tant que prof, je veux justement leur apporter cette connaissance et leur donner envie d'apprendre, etc. Il y en a, ils sont profs parce qu'ils justement ils veulent aider tous ces gamins. Tu es en vie. Ils voulaient la mort de Kenut. La mort les a trouvés avant. Je les envie. Enfin, c'était nécessaire. Ces soldats ne comprennent qu'une chose, la violence.
Il y a autre chose. Ce capitaine recevait des ordres. J'ai trouvé cet insigne sur lui. Eh ben, why not? Tu sais ce why que not, c'est mon ami. Oui, c'est mauvais signe. Il vient de Fort Bubastos, à l'est. La place forte est commandée par un de ces Malakias qui se croient intouchables. Kenut avait raison. Si l'on ne fait rien, les gens continueront à souffrir. Bayek, je suis désolé, mais nous avons besoin de toi. Pas de problème, Bob. Mais avant, j'ai une chose à faire. Je ne serai pas long. Mais banquier plus de moules. Pas les mêmes heures et pas les mêmes vacances. Hein. Attention, prends ça en compte. Hein. Parce que moi, je préfère avoir moins de moulas et plus de vacances. Plus de congés. Au bout d'un moment, tu verras que ton confort de vie, c'est important. Parce que t'imagines, là, t'es à l'école, t'as beaucoup de vacances. Hein. Imagine quand tu vas bosser. T'auras 20 jours si t'as pas de RTT. T'auras 20 jours, point. 20 jours, te rends compte ? 20 jours, c'est 4 semaines. Hein. Shadia, mon lotus. Logique prof, bah, toutes les vacances scolaires, ils sont en vacances aussi. J'en fais le serment. Et après, généralement, ton taux horaire en classe est pas très très élevé, même si t'as du boulot chez toi, mais t'es chez toi, quoi. Petit tétard. C'est un certain confort. Nage en toute liberté. Tout ce qui est correction de copie et tout, c'est à ta maison, mais t'es chez toi. C'est une extension de ton travail, quoi, un peu. Au niveau conditions de vie, c'est mieux prof. Si je devais choisir prof ou banquier, je prendrais prof. Parce que t'as là, enfin, chez nous, quand t'es prof, je dis chez nous en France, je sais pas si la Belgique ça fonctionne pareil. T'es fonctionnaire quand t'es prof. C'est-à-dire que t'as une certaine sécurité de l'emploi. Puis t'as les vacances. Tu vois, c'est pas rien, franchement, c'est pas rien, ça se réfléchit. Temps de fourche ? C'est quoi ça les temps de fourche ? C'est vraiment ce que tu voulais dire ? Tu travailles pour l'État ? Ouais, c'est ça. Bah, quand employé de l'État, généralement, ils te recyclent si jamais ça va d'autres plus. D'autres soldats viendront bientôt. Il faut s'occuper de ce commandant. Il nous faut plus d'informations. Jusqu'où s'étend la corruption ? Jusqu'aux hommes les plus proches de Ptolémée ? On ne peut faire confiance à aucun Phylakès. Seuls, nous sommes impuissants. Nous avons besoin du Fayoum. La plupart des paysans ne diront rien par peur des soldats. Mais ils sont en colère. Ils seront faciles à convaincre. Je vais aller parler aux paysans que le capitaine a menacés. Je pense qu'il pourra nous aider. Tu as pas d'élèves entre deux heures. Ah oui, ouais. Bah là, tu peux te mater un petit anime sur ton téléphone ou quoi, tout le temps d'attente. Tu peux corriger des copies, tu peux... Ah non, il lui a coupé les cheveux. Ah non, celui qui a pris la photo là. Non, Bayek, il faut lui laisser les cheveux. Bayek, il a des cheveux. Ah, il y a une photo ici. Ah, bah c'est Shadia. Un épisode de série. Bah oui, voilà. Non, mais confort de vie, prof, t'es mieux. Si tu gères le fait que... Tu gères des gamins qui en auront à foutre. Cheveux épars pour Bayek, bah carrément. Les cheveux de côté là-bas, j'avais jamais vu une personne avec cette coupe là. C'est signature Bayek, Ubisoft Power. Seni, j'ai vu ce qu'ont fait ces soldats. Les bêtes Kenut a pris un grand risque. Je lui en suis très reconnaissant, mais ça ne changera rien. Pardon, mais j'ai du travail. J'ai beaucoup de feu à allumer. Laisse-moi t'aider. T'allumer les feux, t'inquiète. Qu'est-ce voilà. Que tu fais ? J'allume tes feux. Tu n'abandonnes pas facilement, hein. Ray te donnera des cultures captives. Oh le con ! Mais il s'est cramé ! Mais le... Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Et voilà. Il est temps de te
te soulever contre les soldats. Tefres combattra à tes côtés. Il est dégueulasse comme Ragnar Shove. Ouais. Il nous a abandonné depuis Ragnar Shove et a perdu de son truc. Et il y avait la barbe encore. Hein. Il a donné à son fils un nom égyptien. Mais il n'a pas su lui donner un cœur égyptien. Dans notre langue, Tefres veut dire satisfait. Mais il ne l'a jamais été. Il nous a abandonnés aux hyènes et aux crocodiles. Allez, crocro. Les crocodiles peuvent être vaincus. Le capitaine est mort. Soulève-toi, Séni. Montre l'exemple. Tu as vaincu le capitaine. Moi, les couilles, frère. Waouh. Non, c'est intéressant. Par les dieux, tu es on le convainc de se rebeller. Si tu es prêt à agir, tu peux compter sur moi. Je ferai passer le message, Séni. Séni. C'est you, Séni. Doudoudou Gaver. Oh. Ça me bite, c'est Donkey Kong. Ah, c'est des oliviers, ça. Des pruniers, peut-être. Des oliviers, je crois. J'ai le droit d'être ici? Oui. En plus, comment je vais stream, moi, sans casque, en fait? Comment elle a fait pour te le péter? PC Schengeler. Après, je peux t'offrir un casque fin août. Hein. Tu ignorais que la situation était si grave. Enfin, je savais qu'il y avait des problèmes. Mais pas à ce point. C'est ma faute. Je ne souhaitais pas avoir un rôle dans le Fayoum. Ce fardeau m'a été imposé. Je voulais vivre des aventures sur mon bateau. Oh, mon je bateau sais que maintenant, renoncer est un choix. Et je suis toujours en vie. D'accord. Je sais pas si tu trouveras de bons casques à 20 balles. Avec moi. Des soldats. Où es-tu, salvé? Ah ouais, une carte Amazon. Ouais, je peux te filer un bout. Je veux te parler. Il me semble que je n'ai plus le choix. Viens, frère. Allons leur parler. Je parle pas, moi. Je te protégerai. Bah alors. Oh, et comment il a pris cher en tombant? Hey, wow. Un vétéran, tu te bats bien. Un vétéran, mais pas ouais, un vieux. Ça a peine battu. Oui, c'est ce que je vois. Mais ça ne suffira pas. Les soldats vont revenir. Porte pas tes couilles, hein? Mes talents ne se limitent pas à l'épée. Faut que j'arrête de bailler, s'il pitié. Faut, j'engagerai toute une armée. J'ai peut-être une meilleure idée. Bayek, tu peux m'accompagner pour un petit voyage? Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux m'accompagner pour un voyage, s'il te plaît. Et en route, on va, hein? En route, un gros bris. Bon, allez, Kenout, on y va. Je suis prêt. Allons-y. Ouah! Vous faites une bonne équipe. Otefres n'a rien perdu de son ardeur. Tu sembles fier de lui. Je t'ai marre de les suivre en cheval. Je suis heureuse de retrouver l'homme que j'ai épousé. Et du coup, tu te barres avec moi. Je suis sûr qu'elle va me proposer des trucs. Pardon, madame. Il y a un camp de rebelles près d'ici, en direction de l'est, du côté de Fort Bubastos. Ces rebelles, je vais les présenter. Tu vois le bordel ici, il y a des bouchons. Si je les rencontre, ça provoquera la colère d'Alexandrie. Alexandrie baigne dans les intrigues, Medjay. Des services sont parfois échangés contre des informations ou une protection. De telles alliances sont nécessaires, même si personne ne parle. Que est ? Tu veux lui donner Mathéo sur un chat ? Ah ouais ! Et j'ai pas besoin de... Terrio ! J'arrête ! On va où là, madame? C'est ça ton petit voyage là? Fait nuit bientôt. Oh, ce virage! Ici, leur campement n'est plus très loin. Prudence avec ces rebelles. Ils ne sont pas réputés pour leur hospitalité.
faut que je mette le DTC. Je l'avais pas noté quelque part. DTC. Stallone. Allez, Medjay, nous devons y aller. Oh, tu te calmes. Oh, c'est qui eux? Je m'appelle Kenut. J'ai fait annoncer notre venue de Philadelphie. On a besoin de ton aide. Tu as perdu ton temps. Désolé, on ne peut pas vous aider. Nous ne demandons pas la charité. Ouais, je vais faire une animation DTC. Nous offrir des vivres et des informations. Ça, je l'ai noté. Tout ce que nous vous demandons en retour, c'est votre protection. Je ne peux pas. Les soldats ont capturé notre chef au barrage. Alors peut-être pouvons-nous aider. Voici Bayek de Siwa. Blasé d'être là. Tu es Bayek de Siwa? Oui, on c'est moi. Sait ce que tu accomplis dans l'arène. Ah, et dans le roi, t'as pas vu ce que j'ai fait. Gaulois comme un démon. Comme un démon, tu dis. Alors ça doit être vrai. La peau qui brille, dis donc. Je suis prêt. Illustré comme un ouf. Salut où? Là-bas. Oh, c'est quoi? C'est un barrage? C'est beau, comme il dirait mon fils. C'est beau. Il a détecté ça comme un lien. Non mais on est juste voilà, on rend service à tout le monde. En échange, on nous donne rien. De la gratitude. Comme si la gratitude, ça allait me servir. Ça vole pas vite à pigeon. Ah si, là. Ouais, de l'expérience, mais... Oh, il n'y a plus de flèches. Ah, je suis caché, il m'a pas vu. Cours, Forest, cours, vite. Attends. Il vient. Pourquoi il est descendu de monture? Il vient me chercher. Fléau, il s'appelle comment le fléau? Dator. Oh, il est descendu de monture ce bâtard. Je suis 30. Allez, on va les choper. Oh, je peux rentrer là peut-être. Je peux peut-être rentrer par ici. Les gardes sont très vigilants par ici. Oh. Allez, Bayek. Mais qu'est-ce qui branle? Voilà, tranquille. Allez, vite. Merci. Personne sur le hauteur. Qui es-tu pour attaquer ainsi les soldats? Tu n'as pas peur de réveiller la Grèce? Barrage de téton. Du Bayek de Siwa. C'est le sommeil de l'Égypte qui m'inquiète. Gars lui, assassiné, tranquille. Les hommes m'ont parlé de toi. Tu combats seul dans l'arène, comme un forcené. Mec, avec toi à nos côtés, les chiens de Ptolémée, non? Et quand l'heure viendra, j'aurai besoin de vous à mes côtés. Et olé. Si on trouve tout ce qu'on veut, il faut faire Vex. Ah, il faut que je l'accompagne. Tu vas aller par où? Ah ouais, mais attends, ça craint par là-bas. Attends, j'ai récupéré des flèches. On peut se le faire, lui. Oh, je l'ai enflammé au passage. Oh!
vas appeler des renforts. Non. Wow. Non, pas les renforts. Y a pas de temps à perdre. Ah ouh, j'ai pris une lance. Et relève-toi. Non. Oh non, c'est le fila, filaté, figatelli là. Ah non, c'est le fila, c'est le... Oh putain, il m'a défoncé. Oh non. Si je l'appelle, bah oui, j'ai pas pensé. Je pensais que je les aurais eu facile. En même temps, qu'est-ce qu'il foutait dans le coin, l'autre là? Réchette, mais reste là-bas. C'est bien là-bas. Voilà, il y a un petit bout de tête qui dépasse. Ah merde, je voyais l'autre derrière, quel con. Mais... En même temps, si je sais pas viser, comment veux-tu que je fasse quoi que ce soit? Ah! J'ai tenté. Ah, du coup il va de l'autre côté. Hein? Mais il m'a pas chargé. Coup dur pour la mère du la classe, la calasse et la classe. Allez, on y va, on y croit. Do it! Yes. Just do it! Ah bah attends, il est là-bas lui. Attends, il est descendu en fait. Y a pas de temps. Cet endroit est très bien gardé. Bonne, bah ouais. Allez, vite. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Qui es-tu? Attaquer ainsi les soldats. Tu n'as pas peur de réveiller la Grèce? Je suis Bayek de Siwa. Et c'est le sommeil de l'Égypte qui m'inquiète. De Siwa, les hommes m'ont parlé de toi. Tu combats seul dans l'arène, comme un forcené. Nek, avec toi à nos côtés, les chiens de Ptolémée n'ont aucune chance. Voilà, comme ça, ça va passer aussi. Et quand l'heure viendra, j'aurai besoin de vous avec moi. Voilà. C'est ça, crève. D'où il vient lui? C'était quoi ce bug? Il est où le figatelli là? Et voilà, et voilà, on est tranquille. Tu veux pas chasser pour avoir plus de flèches? Si, je pense que ça me botterait bien ça. Allez, après cette mission, on va faire en sorte d'avoir plus de flèches. C'est vrai que si je me spécialise en arc et que j'ai pas de flèches, la voie est libre pour bah je sers à rien. Mais j'ai un service à te demander. Et nous attend à votre campement. Elle va vous demander de protéger la population. Justement, j'y pensais. Je vois la vie. Ce sera fait, tu as ma parole. Et dis-lui que je vais à Fort Bubastos. Fort Bubastos. J'ai des choses à régler avec le commandant. Seul contre la garnison d'un fort? Tu es fou. Oh oui. Peut-être. Je suis Bayek de Siwa.
Et je suis pas une tapette. Alors, équipement. Augmente l'emport de flèche. Il me faut de la peau de tiger. La peau de tiger. Pigeon. Oh. Oh. On va carrément aller là-bas. On va laisser passer le fil à casse là, je sais pas quoi. Tu oh, nulle part où aller. Et il bute le gars. Il a buté le gars qu'on vient de sauver. Chez les tailleurs aussi, ouais. Je vais en chasser et si je trouve plus, j'irai chez les tailleurs. Attends, il vient. Bah, ça vaut le coup de le sauver, il s'est fait défoncer. Ça a l'air vraiment cool. Ouais. Tu t'es toujours pas amélioré sur l'orthographe de Aller, hein, mon ami. Mais ouais, moi c'est un jeu qui m'intéresse. J'ai hâte qu'il sorte sur PC. C'est mon Aller, Aller. De mon Aller à moi. Démoli. Comment ça s'écrit? Bah comme tu l'as écrit. A l'air. A plus loin et l'apostrophe A I R. Avoir l'air. Bon là-bas il y en a encore un. Non là-bas. Hep, hep, hep. Il se barre, il flippe. Il m'a entendu arriver, il flippe sa race. Il se bat avec quelque chose là. Il se bat contre des gens. Il se bat contre des soldats. Il est où? Oh! Non! Ah, Annie Popo! Pas crever d'un hippopo quand même. Je crois qu'il avait un frère à côté, non? J'ai eu combien de... Pas assez en tout cas. J'ai vu une vidéo, c'est un grand-père qui offre la Mannschaft à son petit-fils
À la place de Minecraft. La tanière de l'animal. Oh, une tanière de léopard là. Ah, c'est ça que je voyais là où il y avait du monde là, ici. La minecamp, tu veux dire, un truc comme ça, non? Pas la faire beaucoup de. Ouais, mais il faut que j'arrive à le tuer. Eh, bien vu. Oh, je l'ai loupé. Peu de cuir. Ah, mais j'ai plus de flèches. J'ai plus rien. Je vois poil. Je vois walpé. Ah, du moins qu'il y a des flèches là dans les bacs. La thune. Une flèche. J'arrive à les faire saigner. Je suis Bayek. Je vais te défoncer la gueule. Il est où l'autre? Est-ce que je lui ai mis? Est-ce que je leur ai mis? Je suis Bayek de Siwa. Vous pouvez rien faire contre moi. On a même le rang suivant. Énorme. Et encore le rang d'après. Eh bah écoutez, ça c'est fait. Bim. Fais dormir au pire. Mais monsieur. Allez, plus qu'augmenter là, dégâts à l'arc à fond. Il me faut de la peau de biche. Allez, un petit coup. On va se faire un petit coup d'amélioration dégâts d'arc. Il y avait de la biche là-bas. Pas de la biche plus près là. Je vais appeler mon dromadulaire. Hop. On va aller chasser du bouquetin comme ça. Oh, j'ai eu les deux. Et deux d'un coup. Imagine aussi direct légendaire. Ah, je sais pas ça. Oh. Je trouve du. C'est quoi qui me manque? C'est quoi ça? Donc je trouve un chariot. Je suis sûr que tu vas me dire. Eh, le chariot, je t'ai montré tout à l'heure. Si tu l'avais pris, t'aurais peut-être eu ça. Oh. Parlons comme un mongolo. Détruis les armes inutiles. Oh! C'est que t'es pas con, toi. Alors. Ça. Ah, mec, ça, j'aurais du bois. Du bois avec ça. Oh, l'hyperium est pas mal là. Mais lui, il empoisonne, ça c'est trop bien. Commence à avoir une grosse différence de niveau, hein. Et là, il y a des gars discrets aussi. Mais non! Allez hop. Ah, je crois que j'ai dû faire. Oui! Alors, et après, c'est quoi il faut? Ouais, il refaut pareil. Ouais, on a un peu trop. Allez, c'est bien, on améliore un peu. C'est peut-être dur cuir. Allez, continue. On n'est pas passé 31 en fait, non. Faut que j'aille perle. Filac machin, il est parti là. Oh, il y a une photo là. Okay, magnifique bug. On va se mettre là, ici. Je m'étonne, impossible de suivre la route. Y'a pas de route dans le coin.
C'est bon là, ça te va? On va repasser devant les gardes. Oh, c'est pas grave. Ils sont que deux, ils me choperont pas. Et là, ils me défoncent. Ouais, le dromadaire, t'aurais pu prendre le raccourci à droite, hein. Ah ouais, il suit au pied de la lettre. Ah non, il y a même pas de garde. Ou ils sont partis dormir, on va savoir. Qu'est-ce qu'il y a comme cadavre, dis donc? Je me demande qui a bien pu faire ça. Nom d'Atefpehu. Pourquoi se sont-ils rassemblés devant le fort? Oui, il y a du monde ici, hein. J'aime bien quand il y a des souterrains comme ça. Un bug séché là. Alors, assassiner le commandant du fort. Ok. Pas de problème. Je fais ça tous les jours. Et là, il y a une grotte. Là, il y a une grotte. Je sens qu'on va arriver dans la cave à vin du fort, là, par cette grotte. Bon, par contre, c'est quoi cette couleur de grotte, là? Pourquoi c'est violet? Pourquoi c'est rose-rose-violet, là? Comment ça peut être cette couleur-là? Il n'y a pas de spot lumineux que je cherche. Allez, plonge. Pas de beau. Pigeon. Genre on a entendu le pigeon sous l'eau là. Où sommes-nous? Aider les habitants, mais j'ai pas que ça à foutre. Oh attends. Trop bien. Merde. Ok, j'avais pas l'option assassinée du début à la fin. Allez, barrez-vous. On l'a démoli, cher. Allez, rentrez chez vos mères. Ah, du coup, on est en plein milieu du camp là. Essayer de choper tout le monde pour pas avoir de mauvaise surprise. Motherfucker. Et tous les gens qui se barrent. Et lui il regarde ces trous du cul. Ne me pas tilter. Wow, le décalage. Je pense que des fois je perds des petits FPS et ça vous décale petit à petit le stream. Si vous avez des petits moulinets de chargement de stream, vous perdez une seconde ou deux à chaque fois, tu vois. Donc, n'hésite pas quand tu vois qu'il y a un décalage à rafraîchir le stream. Je vais buter tout le monde avant que ça part en cacahuète. Il parle à qui lui là-bas? Il dit je vais t'étriper et il court sur quelqu'un. Ah, c'est sur les habitants que j'ai délivrés. Ils se font péter le cul les pauvres. Qu'est-ce qu'ils foutent? Oh, il y a un truc qui trace là. Hein? De taper sur quoi? Attends, on va aller l'aider le pauvre. Il tape je ne sais quoi, je ne sais qui. Wow, wow, mais qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il fout? Ils vont où?
Mais tous les gardes ils vont là-bas. J'ai baissé la qualité aussi. Ouais, baisse un petit coup. Et il revient, il revient. Il revient, on va faire gaffe. Du fer, foncez. C'est ça exactement. Putain les gars, il y a du fer. Je n'ai marre de nos armes de merde. Pêchons-le. Genre il voit pas le gars comme ça dans les fougères. Le boubou, le boubou. Ben on a le même. Oh merde, j'ai pas de flèche. Faut que je trouve des flèches là. En plus maintenant je peux en avoir 1000. Ah ouais, c'est ça. L'amélioration c'était 1000 flèches supplémentaires. 3000, je sais plus. Toi, tu vas me donner des flèches parce que t'es un archer. Oh merde, il y a un gars là-bas. Ah bah, il m'a donné des flèches. Mais il m'a donné que des comme ça, l'enfoiré. Alors là, normalement, il va voir son pote mort au sol. Et il va faire... Hein ? Fallout paye un abonnement pour flèche élite. Dans Fallout, tu peux payer pour avoir flèche illimitée. Quoi? D'où il m'a vu? C'est ça, crève. Casse-toi le cheval, je suis occupé. J'adore le fait qu'on les pousse comme ça. Quand t'es en hauteur, c'est une dinguerie. Et le cheval, il est rentré. Oh, le petit poignet. T'étais fou, toi? Attends que je tue tout le monde et tu pourras faire comme chez toi. Attends que je gratte mon nez d'abord. Oh, hé. Hey. Oh non, j'ai pas de flèche snipe. Déception des joueurs français. J'aime bien le gars qui chope des petites pièces au passage. Allez, on le bute. Des corps, des voix. Il est en train d'attaquer le fort. Ah bon? Apparemment, tout le Fayoum s'est ligué contre le commandant. Ah, trop bien. Ah, trop bien, tout le monde a répondu à l'appel. Énorme. Je vais te défoncer la gueule. Mais il est ouf. Do it. Mais just. Mais il est ouf lui. Mais c'est qui lui? Il a esquivé tout ce que je faisais et il m'a tapé à chaque fois que j'étais vulnérable. Ah ouais, là c'est le West End complet. Je crois que ça sent la pause, ça les gars. Ça sent la petite pause, on meurt trop ce soir. Fais une petite pause. Ouh. On va se ressaisir après. Là, je suis caca là. Ah là, je suis un beau gros caca comme on disait. Là, j'aime pas être geek. Bon, je vais rien faire et t'attendre. Mais non, les petits amis, on se retrouve dans quelques minutes. N'hésitez pas à aller chercher à boire, à aller vous chercher un paquet de pop-corn et aussi vous enlever la petite terre qu'il y a des fois sous les ongles quand vous êtes pas propre. Voilà. Faites ça pendant mon absence. On se revoit dans quelques minutes.
Si c'est pas de la synchro avec ma vidéo d'AFK, ça. Ne m'appelez plus! Ne m'appelez plus! Allez, on se reprend. Ah, ils m'ont mis de l'autre côté. Ici, un gros monsieur. On a tout détecté d'un coup. Putain, un de ces mondes. Coucou. Eh, mais c'est Ravenor. Que tout le monde souhaite la bienvenue à Ravenor, s'il vous plaît. Pas tout le monde, vous êtes un. Comment il va? Oh, allez, lui, hop. Lui, double flèche. Hein, qu'est-ce qui arrive vers moi comme ça, si vite? Voilà, double flèche. On réfléchit pas. Bim. Mais pourquoi ils sont niveau 33? Qu'est-ce qu'il y a niveau 30 que je chasse? Trop bizarre. Ça va, de retour du sport, ça faisait longtemps. Ah, terminé au sport. Attaquer le fort. Apparemment, tout le Fayoum s'est ligué contre le commandant. Mais voilà comment on fait. Quoi? Quel bâtard! Et mes flèches, elles empoisonnent un jour. Je garde cet arc parce qu'il empoisonne. Il empoisonne pas de mon zboub. Vas-y, lâche-moi. Nous, on va looter. Nous, c'est la débandade, on loot. Alors, ce... Il m'a lancé une flèche dans le cul. Putain, mais il y a tellement de monde qu'il n'y a aucun endroit. Il s'est tordu la cheville ou quoi? Quoi? Bah y'en a, ils foutent le bordel, y'en a, ils arrivent comme ça et ils se font casser la gueule et après ils sont tous en alerte, je me fais défoncer. C'est pas juste. Qu'est-ce que ça a donné ton jeu Cloudpunk là? J'ai pas pu tout suivre le dernier coup. Je t'avais mis en fond mais j'ai pas pu suivre le jeu en lui-même. Oh lui! Oh lui! Ce qu'il a mangé. Hop! Ah eux ils ont regardé son pote mourir, ils ont rien dit. Bah écoute, il va vous arriver la même. Dans le nez. Bon, je vais me doucher parce que ça sent le poignet ici. Ah bah si t'as fait du sport, camarade. Bien normal. Hein. Pas lui là-bas. Flambe ou pas? Allez, meurs de la flambaison. Mais ils prennent jamais feu, putain! Vas-y, mets des kicks Sparta. Ah! Je t'ai fait tomber. Oh, ouais, ça c'est moins marrant. En fait, il faudrait que j'arrive à exécuter plein de gens. Des corps, des voix. On est en train d'attaquer le fort. Oh! Magnifique! Tout le Fayoum s'est ligué contre le commandant. Ouais, bah vous démerdez le Fayoum. Parce que chaque fois que je viens. Vous faites péter le cul, et c'est moi qui subis. Moi je vais prendre les hauteurs, je vais sniper les gros. Ah, lui il est bien placé là.
Il a pris que 500. Et c'est pas possible. Je lui ai mis que 500. Une flèche dans la nuque. Faut que je les assassine. C'est vrai que je peux l'assassiner là ou pas? Non, du moins pas qu'il m'a vu lui. Je vais prendre à boire et à manger et allumer mon ventilo car je vis dans un fou. Dans un fouex. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi les deux gros là? Ah, il faut que je puisse l'assassiner sinon c'est mort. Et bah c'est mort. Pas du tout caché. Prendre une lance de l'autre dans le cul encore. Là, là-dedans, là-dedans, c'est bien. Cours, Forest, cours, cours. Me voilà. Quoi, me voilà? Il est bien sec mais fait pas beaucoup de dégâts. Il est bien que pour les saignements mais qui fait jamais saigner. Les gens genoux. Mais arrêtez de donner des arcs de chasseur, donnez des arcs de plus que de la chasse. Quoi? Pardon. Merde dans l'épaule. Ils sont combien dans la famille? Voilà, caché. Oh, oh. J'en appelle le grand livre des gros mots avec la lettre G. G comme gourdandine. La lettre G, c'est la première fois qu'on a la lettre G? Oui. Non, deuxième. Hop. Et en, nous avons un nom féminin dans ce livre des gros mots qui est gagneuse. Qu'est-ce qu'une gagneuse, les amis, à votre avis? Alors, une gagneuse se dit d'une prostituée qui rapporte beaucoup d'argent à la personne qui l'emploie. Voilà, c'est une cata, une coureuse, une femme galante, une fille. Une fille, synonyme fille, mais non. Une gisquette, une gourgandine, c'est ce que je viens de dire. Une grue, une limande, une marmite, une ménesse, une marmite, c'est dégueulasse. Une nuiteuse, une panuche, une paripapéticienne, une putain, une sauteuse, une tétard, une turfeuse. D'accord. Voilà, une gagneuse, bah, c'est une prostituée qui... Il s'en sort bien. C'est des gagneuses. Fais gaffe parce que si elles connaissent... elles connaissent, ça pue pour toi. Hein. Madame, vous êtes une gagneuse ou pas? J'imagine. Non. Par contre, on commence à plus avoir de flèches. Faut que j'en trouve. Ah, il faudrait que je trouve une grosse arbalète là. Quoi, le voilà? Il faut le rattraper. Les traces? Jusqu'ici, rien. Arbalète derrière. Ouais, ouais, ouais.
Et là il peut me voir. J'ai vu, mais les arbalètes sont mal, ils sont dirigés vers l'extérieur. Classique, el clasico. Quoi? Oh, génial. Mais elle déconne. Oh, c'est quoi ces dégâts? Oh, lui qui s'arrête juste avant. Ah, il est de l'autre côté du mur. Quel cas. Chien. Ah ouais, là il s'est pris un chien spectaculaire. T'as vu ce truc toi? Oh, une lance niveau 31. C'est quoi ces ralentis dans l'escalier là, sérieusement? Eux, ils voient du monde de mort, ça les choque pas. J'ai l'impression qu'ils viennent à l'infini ou c'est moi? Il a cru que tu sautais. Bah ouais, ouais, j'ai ultra bugué dans. Ils m'ont vu? Mais quel con! Alors lui, le roi des crétins. Ah, on récupère quelques flèches. Ça fait plaisir. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol les enfants. Là pour le coup, c'est vrai qu'ils ont été vachement en gogol. Je sais pas comment l'atteindre lui là-bas. C'est le big boss. Ah, il y en a un là-bas aussi. C'est deux big boss là. Hop, on va prendre l'arbalète. On va se tourner vers eux. Oh non. Oh non! Oh, la déception est grande du joueur français! Pardon, je crie. Comment faire, les amis? Y'a pas d'arbalète là-haut? Appel. Appel. Genre, je fais ça, je fais. Allô? Oui, monsieur le garde? Oui, vous êtes le garde du fort Bubastos? Oui, enchanté, Bayek, c'est moi, oui. Je suis juste à l'arbalète là. Alors si vous pouvez venir juste pointer votre nez. Donc on fait ça? Ok, je reviens à l'arbalète et on se revoit, à tout de suite. Ouais, c'est bon, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il va venir. Il m'a dit, préviens-moi, genre comme ça quand t'es prêt. Hop, voilà. Et après, il me dit, tu pourras lui mettre une belle carotte dans la tête. C'est le raté. Ah, c'est touché. C'est raté. C'est touché. Je sais pas d'où ça vient le bougre. Il est caché, il s'est caché là-bas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Y en a un là? Plus que cette flèche? Ah merde! J'avais pas vu qu'il était limité! Tu fais bien de me le dire, eh, camarade! Mais prends que 500, quoi! J'en reviens pas!
On dit merci qui? Merci Iron. Oh merde, y'a pas d'arbalète ici. Ah, elle était de l'autre côté. Mais il vient pas, c'est nul. Mais pourquoi ceux-là ils sont bloqués? Pourquoi ils sont bloqués ceux-là? Pourquoi là je peux faire des demi-tours comme je veux? Sinon, pour pas de la question, je me suis encore fait virer de Cloudpun. J'ai un appart où je peux acheter de la déco. Je sais à qui donner des cartes perforées. Voilà, d'accord. J'avais pas tout suivi l'autre coup du jeu. J'étais en session gaming aussi à côté. J'ai que des arcs de guerrier niveau 31. Ils abusent. Mais sans arbalète, tu pourrais jamais les tuer, oh on est d'accord. Est-ce que je peux les assassiner? Normalement, oui. Coucou. Coucou. Il s'approche tout doucement de l'arbalète lui. C'est tout. Ah oui mais ouais, je suis qu'une larve là pour le coup, ouais, je suis d'accord. Ah oui, monte l'échelle. Faut que je fasse tomber. Moi qui ai des muscles. Oh trop bien, technique de ouf. Nice, merci, merci. Eh, c'était pas de la stratégie de la des malades là? Hein? Eh. Le para il sait se battre hein. Le para c'est à gueudin hein. Ok, on peut pas accéder par le dessus. Aider les habitants. Mais je l'ai déjà fait. Mais je suis mort après. C'est pas comme si je l'ai dit plus haut. Tu l'as dit, au pire, monte et fais tomber. Ah, tu vois, j'avais pas lu. Donc, c'est tout à mon honneur d'avoir trouvé quand même. Lui, il peut se faire assassiner ou pas? Non, je peux juste faire une attaque furtive. On peut faire une attaque furtive et la tirer. Est-ce qu'on t'a appris à nous servir de ça? Ah merde. YOLO. Non 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 non. Viens, je suis là, viens, 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 viens. Tu m'as vu, allez. Coucou, je suis là. Oui. Allez, viens. Non, il est pas tombé. Il est tombé, mais pas comme il faut. Mais tombe. Oh, il saigne, il saigne. Il saigne, il flippe, il sait plus quoi faire. Il est désorienté, il est paumé. Oh oui. Pas le bon bâtiment, tu me laisses. Tu regarde. Tous les bâtiments me vont. Corruption a été éradiquée. Tous les bâtiments. Nice. On va aider les habitants quand même, on est sympa.
Je suis multi-surface. Tel un essuie-tout. Je peux tout niquer. Arrête. Oh, j'ai cru que c'était un sol. T'imagines, je meurs là. On va aider les gens. Hé, les gens. Pas bien aimé. Oh, blabla d'amour. C'est mon dernier jour ici. Je vais mourir en cellule. Blablabla. Et il y avait plein de trésors ici. Attends, j'ai pas tout fait. Regarde. Énormément de trésors. Pigeon. Merci. Où sont tous les trésors? Bah, il y en a juste là bientôt. Ah, les trésors, je m'en fous. De l'escalier. Ici, il y a quelque chose. Là. Très bien. Il y a encore un truc par là-bas? Oui. Où est-ce? C'est l'escalier, toujours. Non, mais pas l'escalier. Les trésors. Il va me montrer un escalier, je le sens. Ah oui, très bien. Un trésor maintenant? Très bien, l'escalier. C'est bien. T'es fétichiste des escaliers en fait, petit pigeon. Alors, il y en avait un. C'est nous. C'est nous. Merci. C'est où le plus proche de moi là? Là, je suis là. Il y en avait pas juste là? Là, ici, voilà. Direct, que ça part en couille, Pike. Blabla les couilles. Ça blablate les couilles. Tu m'as fait rire avec le truc que tu m'as envoyé sur Facebook là. Il y en a qui font des mèmes avec mon blabla. Mais mon blabla est unique, c'est mon blabla. Venez, on fait revivre le dessin animé blabla. On prend des cours de, d'animation, de 3D. On construit une marionnette blabla. Oh, c'est pas par là. Ah oui, c'est par là, là où j'ai cassé la gueule à l'autre là. Il y avait plein de... Il y a plein de coffres à un moment. C'est quoi? Ah si, mais c'est niveau 30. 30 TD. Ah, un arc de prédateur, enfin. Arc de prédateur. Oh yeah. En plus, il y a une vitesse de charge, on s'en fout. Ah, oh, c'est pas dégâts discrets. I am déception. Fait chaud. Attends, je vais allumer aussi le ventilateur. Alors lui, il fait résistance. Ouf. C'est carrément celui que j'ai est mieux. Dégâts des physiques, c'est pas mal. T'as plus de sniper? Bah si, c'est l'arc 2. Ah merde, chasseur! Mais c'est pas le chasseur que je vais mettre. Prédateur. Ah, je me suis planté. Prédateur, ouais, c'est bon. Merci. Mais tu vois tout! C'est dingue comme tu vois tout. Qu'est-ce qu'il fait debout lui? Il est bugué? Je resterai là! Je garde la position! Allez-y les copains! Eh ben, c'était l'une des missions les plus difficiles. Ah, attendez, il y a encore un coffre. C'est nous, il est le coffre là-bas. Ah, je suis là, mais carrément. Tu serais pas là, je serais encore niveau 3 à 6 ou quoi. C'est nous, c'est lui. Mais en fait, c'est un pigeon. Il vole même pas très haut. Ah, ben, il suffisait de demander, tu vois. Excusez-moi. Car des fois je vois les gens passer devant des trucs très utiles. Après ça dépend comment tu joues mon ami. Moi je cherche pas à trouver tous les trucs utiles à avoir le meilleur stuff du monde. Je cherche juste à avoir le stuff de base, le stuff qui me fera avancer. C'est tout. Là tu vois c'était difficile, mais c'était pas impossible. Tu vois? C'était bien là. Petite stratégie où il fallait une arbalète et tout. Nickel. Si t'as un meilleur arc, tu pourras. Ah oui, mais je l'ai trouvé. Je me suis pas fait chier à chercher un arc, c'est ça que, tu... c'est ça que je veux dire. Je me suis pas fait chier à farmer pour l'améliorer. Je l'ai trouvé, je le prends. C'est... Je fais mon aventure, blablabla. Oh, un arc super. Bah, je le prends, tu vois. C'est quoi ça là-bas? C'est des. C'est quoi ces trucs? Les vautours, ils font nappe.
Bon, on va faire, on va faire une culbute de vautour. Ah. Ouais, il m'attaque. Sérieusement? C'est nœud. C'est nœud. Il y a des copains pigeons qui m'embêtent. Moi, je faisais une blague. Mais je faisais qu'une blague. Merde. Je pensais pas qu'il m'attaquait. Je pensais que c'était comme, comme des animaux qu'on chasse. Mais s'en fout ces pigeons. Moi je leur offrais des flèches, c'est tout. Trop lol. Eh, ils m'en veulent, hein. Vas-y, c'est bon, je vais maquette. C'est bon, je voulais rigoler. Ah, c'est des vautours. C'est pas qui m'attaquait. C'est fait. Tu as eu de l'aide. Les fermiers ont simulé une révolte pour faire diversion. Ils étaient sans peur. Ouais, ils se sont fait démolir, hein. Les rebelles ont aussi joué leur rôle. Tu les as inspirés, Bayek. Ils t'admirent tous. Ouais, bah, ils auraient dû rien faire, c'était pareil, hein. Bien protégés. Ils aiment leur fou de Siwa. Il est content. Tu ne sens pas un autre crocodile à servir le Fayoum. Ton peuple est libre désormais. C'est un bon début. Otefres, il est temps de faire honneur à ton nom. Oterpes. Et à mes devoirs d'époux. Époux? Il a des poux? Pas suivi ça. Shadia t'a tout de suite aimé, tu sais. Tu seras toujours le bienvenu chez nous, si tu reviens. Qu'est-ce qu'il y a, Gord? Ils ont disparu. Putain qu'ils sont forts. Eh, c'est le level up. Poupée de Shadia. Mais c'est glauque. C'est glauque d'avoir une poupée de la petite. Non? Ou y'a que moi qui pense ça. Allez, on augmente la chasse. Moi, être professionnel de l'archerie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, c'est là que la malédiction on va la dés, hein, au bout d'un moment. Là, elle est belle et elle fait de l'hémorragie. Régénération d'adrénaline. J'ai bien envie de reprendre celle-là au lieu de. Ah, mais je pourrais la prendre en fait. Et là, il y a une massue lourde, toute coup critique. Adrénaline à l'élimination. On va garder ça sur le coude. Fordoara House, quel nom classique. Mais mon bâton, il est pas mal, hein. Et la santé à l'élimination, ça fait bien. Hémorragie, ouais, il est que à 1, c'est pour ça que je fais pas beaucoup d'hémorragie. Pas si facile à planter. Là, il y a une lance. Mais. Ah, 2 d'hémorragie, hein, quand même. Et coup critique à fond. Elle pète pas mal, la lance, hein. Je vais mettre l'alliance au lieu de. Ça, ça fait beaucoup d'hémorragie. On va essayer la lance ici. Ça. Coup critique. Ouais, ouais, c'est ça que j'ai vu là pour la lance. Ça a l'air vraiment pas mal. Elle critique tout le temps, quoi, quasiment. Ok, oh! Il y a le fléau d'Hathor. Si tu mens, d'Hathor. Bayek rencontre Cléopâtre pour indiquer que sa traque est achevée, mais qu'il demeure d'amener pour découvrir l'homme qui a réellement tué son fils. Oui! Regardez, les amis, regardez nos cibles. Regardez ça! Regardez comme c'est beau! Tout le maudit est mort. Le bélier, le vautour, l'ibis, le héron, l'hippopotame, le lézard. Le scarabée, la hyène et enfin le crocodile. Ils sont tous Day Say Day. Au passage, portons plainte contre Ubisoft parce qu'il n'y a que 2 femmes parmi toutes ces personnes. Et ça, c'est honteux. C'est honteux, je dis. C'est honteux. Voilà. Oh, désolé, j'avais envie de mettre un petit truc géopolitique comme ça, gratos. Allez, allons voir Cléopâtre, elle est où? Eh, t'es sérieuse, Cléopâtre, là? Wesh. Tu vas me faire tailler là-bas, là, wesh. Bon, bah, on va aller là et aller chercher ça. Je crois. Ah, il y en a un, il y avait peut-être 3 femmes. Il y en avait un, il avait un masque. Mais, faut pas le souvenir que c'était une femme.
J'arrête de bailler pas. Est-ce que vous connaissez une technique pour ne plus bailler? Est-ce qu'il existe des traitements pour ne pas bailler tout le temps? Réfléchir bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bah attends, il y a que deux femmes là. Il y a la hyène, le crocodile. Ça, apparemment, c'était un homme. Ouais, parce que sur la phrase bailler que la traquer, ça aurait été et eux si c'était une femme. Mais avec deux femmes, je suis pas fou. Quoi, tu dis réfléchis bien. Ah, peut-être pour la quête, tu dis. Ouais. Si je. Si j'active la quête, il va se passer. Quelque chose, c'est ça? C'est la fin de quête. C'est la dernière quête. Ça, je vous le dis, une fois qu'on fait la quête finale, on passe sur Odyssée. On ne va pas s'attarder sur Origin. Malgré le fait qu'il soit très bon, peut-être que j'y jouerai tranquillou. J'ai bien envie de faire toutes les quêtes secondaires. Parce qu'elles sont intéressantes. Vraiment. Mais peut-être pas en live. Peut-être comme ça, de mon côté, en mode child. Tranquille. Comme si j'ai le temps de chiller. J'aime les MNET et le chorizo. Pigeon, pigeon. C'est bien, c'est beau, c'est moche. Tu crois que c'est fini? Bah je sais pas. Écoute, on a buté pas mal de gens de l'organisation. Et je pense qu'il... Arrête de bailler! Pour moi, il reste plus que l'homme qui est au-dessus de tout ça. Leur chef, on va dire. C'est ce qu'on va essayer de découvrir, du moins. Il y a une photo. Il y a une photo, là. Il y a 10 cœurs sur la photo. Oh, c'est beau. C'est bien, c'est un beau moment. 1300 bornes, les gars. Pouah, quel bourrin ce dromadaire. Are you riot? Mais... Ah oui, il a arrêté parce qu'il y a un camp juste là. Là, il y a un camp. Où est-ce qu'il y a un pont? Attendez. Ah, il n'y a pas de pont. On est obligé de prendre un bateau, là. Ah, mais ça, c'est la med. Obligé de prendre un bateau. Attends, il y a un bateau là-bas, là, j'en vois un. Et je vais le faire tomber dans l'eau, regardez. Pardon, c'est méchant. Tu as pas bien vu le début. Vu de quoi de mes cibles? Le début, bah il y a ceux avec leur masque là, c'est ce qu'il dit là tout le long. Au début, on connaissait rien, le tout début du jeu, il y avait plusieurs gars. Ah, il y a peut-être tous les gars qui portent ce masque là. Mais non, on les a déjà chopés. Il y en a des morts en plus. On a buté un. Peut-être tous ceux qui portent le masque, je sais pas. On verra bien. Mais là, regarde ce que ma quête dit par rapport à Cléopâtre, regarde. Pour indiquer que sa traque est achevée, mais qu'il demeure déterminé à découvrir l'homme qui a réellement tué son fils. Si c'est vers la fin, c'est qu'on va peut-être découvrir l'homme qui a tué mon fils. Mais l'homme qui a tué mon fils, c'est moi. Le con. On verra, continue. C'est moi qui l'ai tué. Ah, peut-être qu'il y a encore des gens, hein, je sais pas, on verra. Peut-être qu'on aura une salve de méchants. Qu'est-ce qui se passe sur l'île là? Oh, c'est un pigeon d'abord. Attention! Il est con. Bayek, bah alors. Ah.
Ils sont bloqués sur les îles, les cons. Faut me savate pour récupérer mon bateau. On va aller gauche et longer la. Je désespère à finir Odyssée à 100%. Trop de choses, trop de choses. Je vous le dis, Odyssée, ça va être rush quête principale. Et après, on y jouera un petit peu de temps en temps en attendant Valhalla. Ah, il y avait un caillou! Je peux plus live. Ah, si tu peux, mais tu peux plus parler. C'est moins fun. Envolé de pigeons. C'est beau, c'est beau. Avouez, c'est beau. Je me demande s'il y en a, ils mettent des pouces, ils mettent des avis sur mes photos. Ah, c'est clair. Live sans échanger avec les personnes qui peuvent te voir. C'est comme si ça sert à rien de live, quoi. Mis à part si t'as vraiment quelque chose à montrer aux gens, du skill ou du truc comme ça, mais. Il a bugué, il l'a bugué. Mais. Ça, c'est ça, moi, une fois que l'histoire est terminée et que le gameplay est répétitif as fuck, hein, quand même, faut se le dire, j'ai plus d'intérêt au jeu. Là, ce qui est pas mal, c'est les quêtes secondaires. Je pense que. De celui-là, je ferai toutes les quêtes secondaires parce qu'il y a quand même une histoire. Regardez là, la mission qu'on vient de faire, elle était pas évidente. Et on a aidé le Bayou et tout, c'était cool. J'ai une raison de le faire, tu vois. Par contre, une raison de collectionner toutes les tenues, non, je suis pas collectionneur. Dans The Witcher 3, alors le jeu, je l'ai torché quand il est sorti. Je l'ai défoncé, il est trop bien. Et pour autant. J'y joue encore pour faire les quêtes secondaires. Pour il y a aussi des objectifs secondaires sur la map. Bah, vous voyez les points d'interrogation qu'on voit partout là. Dans The Witcher, il y a pareil. Sauf que derrière les points d'interrogation, voilà, on se doute que c'est une zone ou un truc comme ça. Dans The Witcher, il peut avoir des créatures uniques, des trucs comme ça. Donc c'est super intéressant de les trouver. Bon, des fois c'est de la merde, des fois c'est un nid de monstre, ou des fois c'est des bandits. Ça arrive. Hein. Mais t'as toujours une bonne surprise. De temps en temps. On s'en fout. Quoi, on s'en fout? Bah, si la tenue apporte rien, on s'en fout. Ouais, mais je veux dire, j'ai pas cet esprit collectionneur dans les jeux. Collectionner en vrai, ça m'intéresse parce que c'est en vrai. Mais dans un jeu, non, j'ai pas. Même les skins. Skins dans un jeu, je m'en fous. Qu'est-ce que. Mis à part si ça peut m'aider à mieux jouer. Je vous apporte votre vin. Eh, dis les pillards, les remontées de pillards, les tiens. Regardez qui est de retour. C'est moi. Bayek de Siwa. C'est qui lui déjà? Tu es le bienvenu à Héraclion, ville de vin, de femmes et de tout ce qu'un Medjay peut désirer. Des jeux vidéo, je des jeux vidéo. Et mérité. Mais bah j'aurais des merci alors. Parce qu'on a que ça depuis le début. Oh lui. Eh, calme-toi, tu vas être bourré encore. Ah, à la reine. Bayek. Tu arrives au meilleur des moments. Ah mais tu one-shot déjà tout. Ça sert à quoi de faire toujours de dégâts? Les hommes qui m'ont pris mon fils. L'ordre a été neutralisé. Mais ai-je tué pour toi ou pour moi? J'ai deux autres noms. L'ordre. Encore deux noms. Et combien d'autres noms après cela? Autant qu'il en faudra. Je dois conduire mon fils dans l'autre monde, là où est sa place. Je t'apprécie, Cléopâtre. Mais les intrigues qui séduisent tant ma femme n'ont aucun charme à mes yeux. Que représente cet insigne? L'aurais-tu oublié? Cet insigne représente davantage pour toi que pour moi. Nous n'affrontons pas qu'un seul homme. Rien n'est aussi simple. Aya a compris la nature de ce nouvel équilibre. Je suis ton pharaon. Et tu es Medjay de toute l'Égypte. Suis-moi. On voit presque ce que j'ai fait, c'est. J'ai un présent.
J'ai pas du 100% crit. Mais ça te sert à quoi d'avoir du 100% crit? Tu as des nouvelles d'Aya? Aya défend nos intérêts sur les mers. Nous attendons Pompé et sa flotte d'un jour à l'autre. Nous forgerons une alliance contre l'ordre pour le bien du pays. Beaucoup de choses m'ont écœuré au cours de ma traque. Le pays est opprimé, martyrisé. J'ai compris qu'on ne peut laisser l'ordre se relever. Oui, Bayek. Bah, one shoot. Mais c'est ça, enfin, toi tu t'amuses à one shoot. Moi ça m'amuse pas de one shooter les gens. Et où le défi? Déjà que les assassinats ça one shot. Que ce sont eux qui ont attenté à ma vie. On a attenté à ta vie? C'était les fils à caisse de ton frère? Difficile à dire. Ce Gabignani était un guerrier de Septimius. Leur milice compte près de 2000 hommes. Et ça roule des fesses, dis donc, ici. Avec Septimius, ce Romain stupide. C'est leur chef? Oui, un rêveur qui se prétend égyptien et qui pourtant n'hésite pas à envoyer un homme supprimer sa déesse. Ce qui n'a rien d'égyptien, si tu veux mon avis. Aya pense qu'il travaille pour l'ordre et qu'il a un agent du nom de Venator dans cette ville. C'est peut-être l'homme au masque qui est responsable de la mort de mon fils. Ouais, c'est un chat, Cléopâtre, non? Oh, lui. Wow. Oh, pourquoi vous ne tuez pas, bande de lâches? Un cadeau pour toi. Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius. Il rôdait près de la villa. Il sait probablement qui a tué ton fils. Mon frère Septimius a tué ton fils. Et j'ai aucun remords. Tu vas en avoir des remords. J'ai baisé ses jumeaux. Venator. Ça te suffit? Je vais lui soutirer d'autres informations. En attendant, va visiter le bordel de la ville. En attendant, va baiser. Oui. Va te plonger dans cette ville dionysiaque et découvre le complot qui nous vise. Oh, le chacal! Septimius est en ville. Le capitaine de ces filakès se nomme Venator. Selon les rumeurs, il traînerait au bordel. Je vais nettoyer cette ville et assurer notre sécurité. Tu vois, regarde, cible. Alors, le scorpion, Cléopâtre a donné deux autres noms. Scorpion et un des membres le plus haut placé des ordres des anciens. Voilà, encore des noms. On va tout casser. Mitraillette. J'ai dit pour lui. Bon, allez, on va aller à pied, c'est pas loin. Allez, niveau combien la quête? 30, hein. 31. Benenouk, ah, mitraillette. Bonjour. Ah, regarde, c'est le Medjay. Oui. Loge. J'ai trop hâte pour Valhalla quand même. Moi ça va. Parce que là je prends ma dose de Assassin's Creed. Putain, mais il veut pas monter. Je prends ma dose. J'ai une dose de Assassin's Creed assez conséquente là. Surtout si après on se prend Odyssey. Enfin, on se prend Odyssey. On l'a. On fait Odyssey. On va faire un petit break avant. On va faire. Alors, j'avais dit de faire quoi entre deux? The Journey. Et quelques petits jeux indés. Et après on prendra Odyssey. Attends, c'est un bordel aussi. Stark sans calor. Il y aura des femmes nues. Ça va rapporter des follow. Non, bah non. Tous les gros joueurs, tous les gros streamers vont y jouer. Ça rapporte rien du tout. Ah, putain, il y a des femmes nues. Bon, désolé, je dois cacher. Il y a des tableaux bizarres, mais... Ah, un vrai guerrier. Je fais un prix au... Attends. C'était trop vieille, madame. Tu fais pas partie des Gabignani, pas vrai? Non, n'en suis pas un. Je suis un Medjay. Waouh. Autrefois, on voyait tout le temps des Medjay. Mais plus maintenant. Tu travailles pour qui, alors? Cléopâtre. J'ai appris qu'elle était en ville. Eh bien, un Medjay qui travaille pour le pharaon doit avoir de l'or à dépenser.
faut que je parle à ces jumeaux que tout le monde désire. Tu appelles ça parler? Pourquoi tu pleures? Je laisse à chacun ses pudeurs. Les jumeaux vont te coûter très cher, et ça, quoi que tu aies l'intention de faire avec eux, Medjay. Là, je vais mettre un emote de pleurs et j'ai une idée. Oui, tis misonos afrosinis. Ça va pas? Payer la tenancière du bordel. Tiens. Va, mets-toi à l'aise là-haut. Les jumeaux vont te rejoindre. Ils ont eu une nuit éprouvante. Alors ne leur parle pas trop durement. Faut que je me prépare à switcher de chaîne si. De scène si jamais ça part en cacahuète. Ah, j'ai plus de raccourci pour changer de. Bon, faut que je me prépare. On va regarder par terre, hein, évidemment. Il y a des bruits bizarres déjà. Et juste par curiosité, j'ai envie de voir si on peut voir ce qu'ils font dans les trucs à côté. Alors, c'est eux les jumeaux? Nous parler. Je cherche un Gabignani appelé Venator. Normalement non. Ouais, j'allais dire, hein, parce qu'on les entend, je me suis dit si on les voit, ce serait trash. Il n'est pas question que je me taise pour ce monstre. T'as déjà checké. J'ai peur de lui, mais il mérite la mort. Il n'habite pas loin, en haut de la place. Rassure-toi, il aura bientôt une autre demeure. Il aura une tombe. Vas-y, on fait le voyeur. Vas-y, c'est par où? 40, bah c'est pas long, c'est à côté. Checker quoi? Ah bah si on voyait des gens copuler quoi. Vu comment t'es à fond dans le zizi. Un mode où on les voit. Il est ici ou? Par Anubis, cet endroit est animé. Venator ne travaille pas seul. Une vraie odeur de marécage. Les plats cassés, ça ne présage rien de bon. C'est battu? Oh, il y a du sang. Du sang sur les murs. Ce Venator est malsain. Quel crime atroce as-tu commis? Ah, il aime peut-être le sexe violent? Doucement, doucement. Oh, il y a plein de flèches. Sur Cléopâtre. Oh, le bâtard. Venator prépare ses Gabignani à assassiner la reine. Gabignani, on dirait un nom de pâte. Des pâtes égyptiennes. Gabignani. Vas-y, inspecte. Il veut pas inspecter ce truc. Bien sûr. Lettre à Septimius. Cher Venatori, je joins les drachmes pour ton plaisir et pour armer tes hommes. Ceci doit rester confidentiel, rappelle-toi. Le nom des Gabignani, Spaghetti, Tortini, signifie toujours quelque chose alors que nous montons sur le trône. Paye tes hommes pour le meurtre et retrouve-moi à Alexandrie. Une fois la chose accomplie, veille à être efficace. L'incendiaire pourra entrer dans la villa par le quai. Notre archer posté en hauteur pourra lui décocher une flèche dans le cœur. Livius devrait essayer une méthode plus directe et... Je suis certain qu'Alexius trouvera un moyen excentrique de s'infiltrer comme toujours. Et je te fais confiance pour ce meurtre. J'attends impatiemment ta venue. Un bon guerrier sera utile à notre marine en prévision des actions de guerre qui se profilent. L'ordre des anciens est puissant et bientôt... Nous offrirons aux populations d'Égypte la paix et l'or. Mais notre cuirasse est le seul moyen de conserver le contrôle de l'Égypte. Venator, ta mère c'est une gagneuse. Excellent, excellent. Bonne réutilisation de ce qu'on apprend sur mon live, c'est beau ça. C'est pas des trucs lutes, bien, mais. Des fards à lèvres et des huiles parfumées. Des prostituées. Et du lubrifiant. De l'équipement romain. Étrange. Venator tient ce que ces hommes passent inaperçus.
Je marche sur une tête de lion. Et arrête de monter sur tout et n'importe quoi. Les barriques de vin. Et je ne sens pas l'odeur. De l'huile dans des barriques de vin. Assez pour incendier toute la ville. Ouais. Oh. Par les dieux. C'est un plan ingénieux. Un des hommes se déguise en femme pour infiltrer le palais. Met de l'huile partout. Se déguise en marchand de vin et déclenche un incendie pour semer la panique. Et un archer profitera de la confusion pour abattre la reine, depuis une hauteur. Venator n'est pas qu'un sbire de Septimius. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Je dois les trouver avant qu'ils n'attaquent. Un gros casque pour mon anniversaire. C'est quand on anniv. Le 8 novembre, j'abandonne l'idée du tatouage pour l'anniversaire. T'as 15 ans. Pas tatouage maintenant. Ça sert à rien en plus un tatouage, je comprends un casque. Y'a pas photo au niveau priorité. On est d'accord. Alors, tu es l'archer. Où est-ce qu'il est? Ici, c'est quoi? Mercenaire. Ah merde, c'est pas... Bah à la hauteur ça doit être l'archer. Jean-Michel l'archer. Bon mais 16 ans. Mais justement c'est pour ça que j'abandonne l'idée. T'as le temps, t'as le... Moi j'en ai fait un mais... J'ai fait 5 ans, il y a 3 ans. Non mais 27 ans, je crois. Elle est bonne celle-là. On veut le voir, je peux pas, il est sur mon anus. Pas grave. Pas grave. Normal. Pas grave. Bah, et alors? Et ben on va faire un plouf. Oh, j'ai été vu. Ah c'est bon, ils m'en veulent pas. Mon tatou il est là. Ah attends. Non mais j'aurais rien, mais tatou carrément. Je sais pas si tu vois bien. C'est un bouton power d'alimentation. C'est ça. Bien fait, ouais après ça fait avec des petits des petites veines genre il fonctionnerait quand je vais dormir j'appuie dessus. Nickel. Non mais moi ça représente énormément de choses. Est-ce que vous savez ce que c'est à la base le bouton power? Si tu devais décrire ce que c'est le bouton power tu dirais quoi? C'est ça. Dès que mon réveil sonne, c'est pour appuyer sur mon bouton. Ah mais en fait, le bouton power, c'est, si tu veux, c'est comme un maillon de chaîne qui est accroché au mur, tu vois. En fait, il reste plus que le maillon. C'est comme si tu avais brisé tes chaînes, tu vois. C'est ça le bouton power. En fait, c'est quand t'allumes, c'est tu...
C'est un peu synonyme de briser les chaînes, tu vois. Il vient de là, le bouton power, il est pas comme ça pour faire beau, quoi. Ça représente aussi le on-off. Tu sais, le on-off, c'est un O, un I. Ça représente un maillon de chaîne. Ça représente plein de trucs. Enfin, moi, ça a plein de sens. C'est ça que j'adore dans ce logo. Mais oh, le saignement direct là, ça fait plaisir. Un tatouage Star Wars. Ouais, après moi je voulais pas un truc qui signifie qu'une chose, tu vois. Moi je voulais un truc avec plein de significations. Wow. Oh bah il a bien enfoncé celui-là. Parce que tu vois, après tu fais ce que tu veux hein, mon ami. Mais faire un truc Star Wars pour juste dire ah t'as vu c'est une ref à Star Wars. Bah moi j'aime pas trop, tu vois, moi il faut que c'est un truc, c'est une référence à moi, tu vois. Certes c'est quelque chose d'existant, mais c'est personnel tout ce que je ressens quand je vois ça. Pour moi un tatouage ça doit être c'est quand tu le regardes, tu dois penser à quelque chose. Soit juste regarder un tatouage en me disant oh, c'est Star Wars parce que j'aime bien Star Wars, c'est pas assez fort pour moi. A pleine signification, puissance. Bah fais un pénis si tu veux. Si pour toi avoir un pénis quelque part sur ta peau, c'est valorisant pour toi, fais-le. Bah, c'est mon avis. Pour moi, ça doit vraiment être fort. Ça doit vouloir dire quelque chose, tu vois. Il y en a, ils font des tatouages juste pour la beauté de la chose et pour l'art qu'il y a derrière. Et je le comprends, hein, je le comprends. Mais moi, c'est pour ça que c'est juste un logo, c'est pas un dessin, c'est pas un. Ça aurait pu être un dessin ou quoi, mais moi, c'est ça que. Je voulais représenter. Que je l'ai mis. Je vais faire PlayStation. Peut-être me payer. Non. Et là, t'as un copyright, tu dois payer à vie. T'imagines? Non, là, je n'avais mis en projet un autre. Ce serait une plume sur ma cheville. Et cette plume, elle représenterait. Ce serait un énorme clin d'œil au film Forrest Gump, mon film préféré. Parce qu'il y a ça commence avec une plume, ça termine avec une plume, le film. Et ce film a tellement de sens et dénonce tellement de choses et veut dire tellement de trucs. Que c'est un état d'esprit et c'est. Comment ça s'appelle ça? Enfin, c'est tout ce que je suis, quoi, ce que représente ce film. Puis après tous les symboles qu'une plume peut vouloir dire, quoi. Allez, Waya. Ah, elle est avec Cléopâtre. Bayek. Coucou. Un gros pénis. Non. Tu portes l'odeur de la mer. J'ai navigué au large pendant un long moment, mais je te suis revenu. Non. Non, Aya. Vite. Oh putain, elle est forte. Moi, je croyais qu'Aya allait mourir. Aya. Charge, mon amour. Oh merde! Je crois que j'ai empoisonné une innocente. Pardon. Ah, ça va, elle va bien. Oh! La lutte.
Il prend pas beaucoup de dégâts. Ça craint. Il avance pas. Come on! Oh putain, excellent. On ne parle pas comme ça d'une déesse. Tu es un gardien de l'Égypte. Je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue et bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel? As-tu vu ce que j'ai fait? Ne me fais pas peur. Quoi? Viens. Il m'a contré? Je vais m'occuper de ton cas. Fous-toi, Oda. Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans? Tu seras bientôt mort. Tu seras déjà un bon début. Oh, Cléopâtre, nous sommes les Gabylianis et l'Égypte. Allez, saigne. Appartient. Moi, les guerriers ont échoué, mais moi je réussirai. Tes deux haches ne te suffiront pas. Laisse mourir cette reine. La mort est la seule dignité qui me reste. Si la mort exige de la dignité, alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume. Il saigne jamais le type. Saigne. Ça y est, saigne. Non. Il est énervé, je crois. Mais what, je peux pas rien faire. Hop. Non. On va laisser saigner un petit peu, il est bien là. Il est bien le gamin là. On est bien là. Oh, moi j'aime bien moi ce coin, plutôt cool. Hop. C'est raté. On est pas bien là les gars. Vous pouvez le bloquer dans la statue. Bah écoute. Oh la belle exé. Garde une place dans la douate pour ton frère Septimus. J'ai récupéré des flèches. Hé, hey, vieil homme. Oh, tu es blessé. Une simple écorchure. Faut me se foutre sa gueule. Ton. Je vais bien. Plus rien ne me fait mal. Mon esprit. Putain, il est déjà bientôt minuit les gars. Fais chier. Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions. Alors qu'on attend sans cesse à mes jours. Ma reine, reposez-vous. Je n'ai pas besoin. La guerre civile s'éternise. T'as du décalage, non? Et j'exige qu'on me donne un trône. Celui qui me revient pourri dans les mains de mon imbécile de frère. Dis à Phoxidas de préparer le navire. Allons retrouver Pompée. Mon dernier recours. Pompée. Vous deux allez lui annoncer notre arrivée. Bien, ma reine. Un peu, ouais, rafraîchi de temps en temps. Bayek. Si on ne rejoint pas Pompée rapidement, Septimius nous devancera. Tu viens de me gâcher la soirée. Ouais, désolé, ben je me la suis gâché aussi, regardez l'heure. En fait, je me suis dit, ah, ça fait 2h15 de live, j'essaie de faire une pause de 5 minutes toutes les heures. Ça me permet de tenir plus longtemps sur la durée. Et en fait, je me suis dit, putain, il est minuit moins 10 en fait. Et je précise. Ça sert à rien que j'aille faire une pause parce que le dodo est pas loin. On va aller faire cette tour là les copains. Et on va se stopper là. Souvent que le prêtre m'a dit de me reposer. On va s'en sortir. Apollodorus est généreux, il nous je apporte du vin. Si souvent
que le prêtre m'a dit de me reposer. De terminer Baki. Oh, chut, no spoil. Ça me réveille ça. Un bateau, s'il vous plaît. Là-bas. Septimius est la pire des vermines. C'est l'homme qui nous devons envoyer à la dévoreuse. Et Potinus. La dévoreuse aura assez d'appétit pour les deux. Et ensuite, nous rentrerons chez nous. Nous ne rentrerons pas. Mais monte ! Elle vient pas, la bitch. Les habitants de Siwa verront que les choses ont changé. Que nous. Allez ! Comment ça se passe sur ta trirème ? Très bien. Foxidas m'a confié le. Et si on s'offrait l'un à l'autre ? Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, mon enfant ! On va un moment ensemble. Avant que ton besoin. Elle était un peu gogol. Quoi ? À nouveau loin de moi. Tu plaisantes. Ça... Hein ? Je t'aime, Aya. Et nous surprise. Ça marche pas surprise. Notre mission est de protéger, mais nous travaillons seuls. Remonte dans le bateau. Je partage ta haine de Ptolémée. Mais souviens-toi, Cléopâtre est une Ptolémée. Vas-y. Elle n'est pas si différente de son frère. Nous devons servir la grandeur. Ah, je suis deg. Je peux pas aller chercher ma tour au pigeon avant. Nous sommes des parents. Nous étions des parents. Je t'aime, Bayek de Siwa. Je ne sais plus qui tu es. J'ai l'impression que c'est mon nom de famille de Siwa. Actuellement, on m'appelle Bayek de Siwa. J'ai acheté un nouveau truc pour ma barre, ça marche pas terrible. Renomme taché. Bayek. Mais je voulais aller chercher la tour aux pigeons là-bas, moi. Attends, on va passer. Attends, si je. On va aller dans ce lagon là. Ou on s'emmerde pas, on va sur terre et on va à pince. Non ? On se fait ça, vas-y, on va se déposer ici. La gagneuse de Aya. Moi, je vais aller à fond sur la berge. J'ai dit berge, pas verge. Ok, calmez-vous. C'est cassé la gueule. Tu as voulu prendre un raccourci ? Bah, on y va. Allez hop. Ah, qu'est-ce que c'est ici ? C'est des gardes ? J'ai vu tout le monde tomber. Je viens de voir tout le monde tomber là-bas. Ah, ils donnent des gens à manger aux crocodiles. Flotte dans l'air. Quelle puante. Waouh ! Une terrible odeur de chair pourrie. Il y a une bataille ici. Par les dieux, le Nil sera rouge pendant des lunes. Osiris va avoir du travail. Oh. Ce sont des Romains. Pas les Nekatiadettes de Ptolémée. Et un Romain en vie là. Une mort peu glorieuse. Nous sommes arrivés trop tard. Ouah, je peux passer à travers lui. Bon les couilles, frère. Ouah. Oh. Il y en a, ils mettent des têtes sur un pic, il y en a, ils mettent le corps. En passant par Luc. C'est étrange, tous les grands hommes finissent par nourrir les asticots. Oui, c'est le cimetière de nos ambitions. Non. Comment, elle est vénère ou quoi ? Non, ce n'est pas possible. Où est César ? Il est arrivé à Alexandrie. Il est très bien gardé, il ne peut pas. Qu'on me mène à lui. Je verrai César coûte que coûte, même s'il faut qu'on me traîne comme une moins que rien dans les égouts du palais. J'ai du mal à suivre l'histoire, là, pour le coup. Alors que le roi Ptolémée cherche à tout prix à être reconnu comme le seul pharaon d'Égypte, la situation de Cléopâtre est extrêmement délicate. D'accord, c'est la guerre entre Ptolémée et... Ayant appris l'arrivée de Jusser, Cléopâtre quitte
Heracleon parle à la grande mère verte afin de rencontrer le puissant dirigeant romain et supplie Payek et Aya de veiller sur elle pendant le trajet. Ok. C'est moins que rien, grosse gagne. Ça va, Aya? Eh? Elle est occupée de flirter avec quelqu'un? Attention, Bayek. Si nous montons à bord, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Soit la reine montera sur le trône, soit nos têtes finiront au bout d'une pique. J'ai compris. Ah ah! On va pas y aller tout de suite. On va se réserver ça pour le prochain live, les amis. Les amis. C'est-à-dire prochain live, fin de l'histoire principale. Au revoir. Ah ouais, déjà. Au revoir. Déjà. J'ai été déçu parce que j'ai un viewer. J'ai à peine dit au revoir qu'il était parti. Du coup, j'ai violé des enfants. Et je suis rentré dans un personnage, hein. On est d'accord. Je ne cite pas quelque chose de vrai. Hein. Bon allez, sur ce les petits amis, on va en rester là. Tac. 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 Franchement, tu as... On va garder ça pour le prochain live sûrement. Demain, on est quel jour? Mardi. Sûrement mardi, ouais. Mais pas trop tard, parce que mercredi, je me lève très tôt. Moi, je viole des enfants à chaque fin de live. Bien. Pas bien. Pas bien. C'est des diapositives comme dans Le Paris. Un film culte français. Faites de beaux rêves, les enfants. Faites des beaux rêves, les enfants. La drogue, c'est mal, voyez. Oh, je vais le mettre ça. Drogue. Mal. Voyez. Voilà, là, il y a 4 nouvelles emotes qui vont arriver. Alors, il y aura l'emote, ça va être tout noir. Gueule. Il y aura ça. Il y aura le dans ton cul originel de Stallone. Il y aura une emote quand le moment est triste. Et on va mettre la drogue c'est mal, vous voyez. Allez, des gros bisous. Restez connectés. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est déjà fait partout sur les réseaux sociaux et sur Twitch. Je vous fais des gros bisous. Restez connectés. Et surtout, comme je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amusez-vous bien dans ce monde de merde.